Bonjour à tous, donc je pense qu'on peut commencer, enfin j'espère, puisque de toute manière on va commencer. Donc on est là réunis pour une petite table ronde virtuelle en mode confinement autour du fantastique entre Occident et Asie. Et donc j'ai la chance d'avoir avec moi trois auteurs éprouvés en matière de fantastique, Émilie Kerbalec, Coraline Blineau et Pascal Malosse. Alors, peut-être d'abord, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, présenter votre œuvre et peut-être aussi votre vision du fantastique ou votre histoire d'amour avec le fantastique. Je ne sais pas qui a envie de commencer, honneur aux dames. Je commence? Vas-y. Vas-y. Ok, merci de m'avoir invité sur cette table ronde. C'est un sujet qui me passionne. Donc j'écris du fantastique ou de la science-fiction. Et donc ma définition du fantastique, j'en ai pas vraiment, j'ai pas de définition, mais disons que ma vision du fantastique, c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand quelque chose de surnaturel survient dans la trame du réel, comme ça, de notre quotidien, à partir de là commence le fantastique. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Comment j'ai rencontré le fantastique? Depuis petite, j'ai baigné dans les mangas, les animés. Et j'adorais les histoires de fantômes, fantômes japonais et plus tard fantômes occidentaux, surtout les fantômes écossais, ce genre de choses. Voilà, ça m'a toujours beaucoup plu, ce genre d'histoire. Et voilà. Merci. À toi, Caroline. Alors moi c'est Caroline Blineau, je suis auteure plutôt nouvelle, mais j'ai aussi sorti une trilogie de romans fantastiques, donc qui s'orientent plutôt côté légende arthurienne et plus spécifiquement histoire de France aussi. J'aime beaucoup tout ce qui a trait vrai à l'histoire de manière générale. Et comme Emily, moi j'ai baigné aussi dans la culture japonaise, dans les mangas, les animés, les jeux vidéo. Et pour moi, ma vision se rapproche finalement beaucoup de la tienne. Et j'ai eu la chance notamment d'écrire une nouvelle sur les démons japonais, justement, éditée aux éditions Luciférine. Je me permets du coup. Hein. Tu as raison. Où justement sont présentés différents yokai, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler un petit peu plus davantage. Mais c'est vrai que moi, le fantastique japonisant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, voilà, qui a été alimenté pour mon amour de l'art, parce que je suis prof d'art, sur tout ce qui concerne l'imaginaire d'une manière générale. Voilà, en gros. Merci. À toi, Pascal. Donc, Pascal Malosse, moi j'écris principalement, presque exclusivement du fantastique et de l'étrange. Ma rencontre avec ce genre, c'était peut-être Jacques Sternberg, un écrivain belge qui écrit des contes cruels très courts. Parfois c'est un peu SF, mais il y a beaucoup de fantastique. Il y a eu Gogol aussi, très tôt. Et puis les textes de Kafka qui m'ont beaucoup marqué, impressionné. Donc, j'ai commencé très tôt à écrire et depuis je ne me suis pas arrêté. Enfin, il n'y a personne qui n'a osé me dire d'arrêter en tout cas. Pour ma définition du fantastique, j'ai une définition assez large. Pour moi, ce n'est pas qu'un catalogue d'événements surnaturels. Il y a aussi la narration. Qui induit une certaine confusion chez le lecteur. Il y a aussi la peur, l'ambiguïté. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler encore. Tout à fait, tout à fait. Et justement, puisqu'on est dans cette question des définitions, je vais rappeler la définition classique, entre guillemets, du fantastique selon Todorov dans son introduction à la littérature fantastique. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Ou, comme on dit couramment aussi, l'irruption du surnaturel dans un environnement familier. Et là, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à votre avis, familier pour qui? Pour le héros de l'histoire ou pour le lecteur? Les deux. Les deux?
Vous êtes tous les trois d'accord? Oui. C'est intéressant, parce que c'est une première... Je n'ai pas bien entendu, en fait. Donc, on disait que c'est l'irruption du surnaturel dans un environnement familier. Et moi, ce que je demande, c'est pour qui? Pour qui est-ce que c'est familier? Pour le lecteur ou pour le héros? Et il y a un accord apparemment général pour dire les deux. Oui, en général, on joue un petit peu sur l'identification du lecteur au narrateur. Donc, oui, c'est les deux, je suis assez d'accord, oui. D'accord. Quand, ou du spectateur moi, au protagoniste du film, ça peut être dans le cadre du cinéma ou même des jeux vidéo, je ne joue pas trop, mais j'imagine que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, oui, il y a pas mal de boîtes de jeux qui jouent là-dessus. Pour moi, c'est un genre qui s'attache au familier, en fait. Donc, on est proche du réalisme, au début en tout cas. Parfois même des auteurs comme Arthur Macken, lui il y croyait jusqu'au bout, enfin, quand il écrivait sur ses sensations par rapport à des cultes anciens, il en était persuadé, il y croyait, donc pour lui c'était du réalisme, c'était pas du fantastique. Oui. Donc lui en tant que narrateur, il vous emmène déjà dans quelque chose à la fois de familier, d'inquiétant. Et le lecteur aussi, du coup. À propos de l'auteur qui croit en fait au surnaturel, je voulais vous montrer ça, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est le dictionnaire des yokai. Alors, je sais qu'il en existe des traductions plus récentes. Ça, c'est une édition de 1974. Alors, c'est mes parents qui étaient fans, mon père adorait Mizuki Shigeru, qui est un grand maître mangaka du fantastique, tu dois bien connaître, Caroline. Et donc, dans ce dictionnaire, en fait, il explique un petit peu quelle est sa vision du fantastique. Il raconte des anecdotes sur sa vie, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y croit. Il croit au yokai. Il raconte que quand il était petit garçon, il vivait à la campagne, à la montagne, et il croyait au... Je vais traduire par lutin, mais ça, c'est des petits hommes, en fait. Donc, il allait farfouiller dans les trous de bêtes, etc., en se demandant s'il y avait des lutins dedans. Il raconte que plus tard, sur les sentiers de montagne, de forêt un peu isolés comme ça, il a vraiment croisé des yokai, en fait. Alors, il décrit pas ça, il dit pas que c'est une vision réaliste, on le voit pas, le yokai, le fantôme, ou le spectre, ou le démon. C'est plutôt un sentiment, c'est quelque chose qui appartient à la sphère de l'imaginaire et du sentiment, mais il est pourtant bien réel. Et pour lui, donc, tout ça, ça existe. Après, il a fait... des mangas, quand il est devenu grand, il a créé toute une œuvre fantastique, mais lui, il y croyait. Voilà, un peu comme ton auteur, Pascal. C'est tellement implémenté dans leur culture, et puis il y en a d'autres aussi, que finalement, la frontière peut souvent être mince. les histoires qu'on raconte aux enfants, même les plus âgés, au Japon en tout cas, continuent de perpétuer ces traditions et ce folklore qui, et même les habitudes ou les fêtes liées à tout ça, continuent d'exister, ne serait-ce qu'à travers la littérature ou par leur culte, finalement. Mais c'est une bonne introduction pour le thème que je comptais aborder. C'est justement la pertinence du fantastique lorsqu'on traite de l'Asie. Et là, je me réfère notamment à un article de Roger Bosato, chercheur en littérature à l'Université d'Aix-en-Provence, qui fut invité de Nice Fiction dans une édition précédente, qui a un article sur le site Nosphère, que vous connaissez certainement, un article un article consacré au fantastique dans la littérature chinoise, où il essaye de déterminer s'il est vraiment pertinent de parler de fantastique dans la littérature chinoise, du moins avant 1911, c'est-à-dire avant la première révolution, avant le début de la Chine moderne. À partir de là, estime-t-il, on peut considérer que, du fait d'influences étrangères, il commence à y avoir un fantastique chinois qui va se développer, mais qui est clairement influencé, selon lui, par la littérature occidentale. La littérature chinoise traditionnelle, pour lui, lorsque le surnaturel survient, ça reste dans ce qu'on pourrait rapprocher du merveilleux.
c'est-à-dire d'un surnaturel qui est accepté et qui donc n'est pas vraiment fantastique, selon notre définition standard, on va dire. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre merveilleux et fantastique, même si moi je trouve que ouais, la barrière parfois peut être mince, on peut vite basculer dans différents genres. J'ai l'impression que le... Alors, c'est... Pour le merveilleux, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de surprise, ou du moins pas autant que dans le fantastique, lorsqu'on verra ces éléments surnaturels. Ils sont plus là de base, ils sont acceptés, et souvent ils sont... Dans le fantastique, il y a aussi une notion de danger un petit peu, ou de d'inquiétante étrangeté à tout le moins qui va menacer le héros, le protagoniste. Bah, tout ça, c'est lié aussi aux croyances et aux religions du pays en question, à la manière dont on considère la mort et le rapport comme ça à l'au-delà aussi. Oui. Alors, en Asie, on a des pays de culture plus bouddhiste, mais avant le bouddhisme, il y avait aussi d'autres philosophies. En Chine, par exemple, on avait la philosophie taoïste, qui était bien implantée avant que n'arrive le bouddhisme. Et dans le taoïsme, on a cette idée de... D'ailleurs, on a des moines exorcistes dans le taoïsme, comme on a des prêtres exorcistes dans la chrétienté. C'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a des similitudes alors que c'est des cultures très différentes. Et je ne sais plus ce que je disais. Donc il y a l'idée de réincarnation et la manière dont on considère l'âme ou la conscience après la mort est assez différente d'une culture à l'autre. Et donc en Chine, je ne connais pas très très bien la littérature chinoise, mais j'ai quelques notions. La conscience après la mort se sépare du corps et elle va ensuite se diriger vers y a la notion de tablette funéraire. Elle va s'incarner dans une tablette funéraire, donc il faut faire des offrandes à la tablette funéraire. Si l'âme, si cette conscience âme est pas nourrie, elle va devenir malveillante, donc il faut la nourrir. Et quand elle est malveillante, elle va venir harceler les vivants. Tout ça faisait partie des croyances, en fait. On ne distinguait pas trop. Après, c'est très ancien. On est bien, bien avant l'ère moderne et la rationalisation scientifique, en fait. Donc, effectivement, le merveilleux se mélange aux croyances et à ce qu'on considère comme être la réalité, quoi. Effectivement, mais d'un autre point de vue, on peut dire que ce point de vue par rapport au fantôme ou la croyance au fantôme subsiste encore plus largement en Asie que, on va dire, par chez nous, dans beaucoup de pays, que ce soit en Chine ou en Thaïlande, au Japon, je sais moins, mais il y a beaucoup de gens encore qui croient au fantôme, beaucoup plus qu'ici, ça c'est sûr. Je sais pas. Ah, je vous l'affirme, mais il y a beaucoup de gens qui croient aux fantômes. Dans les Caraïbes aussi, dans les îles, c'est des crotos. En Afrique, on ne croit pas aux fantômes, mais on croit plutôt aux esprits. Ouais. C'est une nuance importante. C'est pas forcément quelque chose qui va être visuel, c'est plutôt quelque chose qu'on va ressentir ou qui peut nous posséder. Je ne connais pas beaucoup, mais je me suis intéressé, j'ai voyagé un peu au Gabon, et là, tous les gens qu'on croisait, à chaque fois qu'il y avait une maladie, quelqu'un est malade, forcément, c'était un mauvais sort, c'est un esprit vengeur, alors invoqué par des gens jaloux, des histoires de famille derrière. Ouais. C'est très, très prégnant aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux d'anthropologie sur ça, sur le rôle des mauvais esprits dans les maladies... En Afrique, mais pas seulement en Afrique, parce que ça existait partout. Mais après, les anthropologues ont continué à travailler sur ça, particulièrement en Afrique, parce qu'il y avait peut-être moins de matière en Occident. Les ethnologues, plutôt. Et à propos des fantômes, je me reviens encore à l'article de Bosato. Il voit d'ailleurs une distinction assez intéressante à propos des fantômes, c'est sur le fantôme qui va être plutôt effrayant selon lui dans la littérature fantastique européenne ou américaine, tandis que le fantôme en Chine, puisque son article est à propos de la littérature chinoise, le fantôme en Chine n'est pas forcément inquiétant, il va étonner, il va surprendre la personne qui va le rencontrer, mais ça, pas forcément beaucoup plus que ça. C'est déjà un point assez intéressant. Et un autre point qu'il aborde, qui
selon lui, fait la jonction entre les deux fantastiques, c'est la question du rêve. Et là, il se raborde plutôt à ce qu'il appelle une vision qui est considérée désormais comme désuète du fantastique en Occident, c'est-à-dire le tout ça n'était qu'un rêve en fait, ou bien l'histoire qui se situe dans un rêve qui était assez en vogue au XIXe siècle et qui a commencé à disparaître, je sais pas trop, ça a été ringardisé au début XXe, je saurais pas trop dire quand, mais ce rapport au rêve, il établit un parallèle assez intéressant parce qu'on retrouve des choses très similaires dans la littérature chinoise. Et donc là, il y a un aspect par rapport à la question onirique qui est assez prégnant dans le fantastique et qui reste important dans la production fantastique actuelle, mais débarrassé de ce twist un peu éculé, quoi. Oui. Enfin, moi perso, je joue pas mal là-dessus. Oui. En essayant de pas trop faire ce twist où, oui, justement, c'est jouer encore sur la frontière. C'est, du coup, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Mais j'aime bien faire ça. Moi, j'ai déjà. Ouais. Vas-y, Pascal. Moi, j'ai déjà inversé le twist, en fait. Donc, l'idée, oui, que. Ça, c'est amusant, c'est de. On peut croire que c'est un rêve ou on est dans un cauchemar horrible, et puis à la fin, oui, en fait, c'est la réalité. C'est pas mal. Voilà, ouais, moi aussi. Mais c'est l'ambiguïté qui compte. De toute façon, je trouve pas que ce soit tout à fait désuet, parce que si on arrive à induire une certaine confusion et justement à maintenir cette ambiguïté jusqu'au bout, je pense notamment dans le cinéma David Lynch, lui c'est un peu un maître de l'ambiguïté, avec beaucoup de scènes oniriques. Justement, est-ce que ça se passe dans la tête du personnage ou pas? Enfin, c'est, pour moi, c'est pas du tout désuet, quoi. C'est juste. Non, ça c'est fondamental. Ça peut se réinventer tout. Mais c'est vrai que le twist simple de base où on dit, oui, bah non, en fait, c'est un rêve, non, ça non. Oui, je pense qu'il. Après, ça peut être détourné. Je pense à un film. Je pense à un film où il y a un film de fantôme qui s'appelle Les Autres. Je crois que c'est Nicole Kidman, oui, qui joue dedans. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, assez flippant. Et là, il y a un twist, mais ils ont complètement inversé. Oui, il est génial, j'ai adoré, moi. Ouais, ouais. Ils ont inversé le twist. Le twist, il est à la toute fin. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on pensait être la réalité n'est pas celle que l'on pensait être. Enfin, c'est pas mal quand c'est bien fait. C'est quand même assez percutant. Oui, c'est une inversion du twist, effectivement. Non, je suis d'accord, c'est pas un jugement de valeur. Quand je disais un peu dépassé, c'est-à-dire qu'il y a moins de... Il y a moins d'histoires où ça apparaît ou de façon aussi flagrante qu'apparemment, quoi. Mais c'est vrai que c'était très à la mode à une certaine période. Oui. Et puis il y a eu Freud aussi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer son influence, même avant Freud. Enfin, c'était le fantastique, c'est une façon d'explorer notamment. Le mystère de l'inconscient. Ouais. De l'inconscient. Ouais. Et donc c'était après une mode avec Freud, forcément, et beaucoup de tentatives autour de ce sujet. Est-ce que je peux revenir un peu sur les fantômes, parce que j'adore les fantômes. Vas-y. C'est une grande passion. De toute manière, on a le temps, vas-y. J'ai toujours adoré les histoires de fantômes. C'est plus fun que la psychologie. Ah, il y a des trucs marrants dans la psycho, quand même. Complètement absurde. On a encore perdu. Ah non. Les maisons hantées, on a ça en Occident aussi, mais bon, là-bas, ça s'appelle des obakayashiki, c'est des maisons hantées, mais un peu à l'ancienne, à la japonaise, avec des fantômes qui apparaissent. Donc, la figure du fantôme au Japon, c'est une figure qui est apparue à peu près vers Edo, disons qu'elle a été formalisée vers Edo par des peintres, dans les estampes, tout ça. Donc, c'est souvent une femme, et tu disais qu'en Chine, en fait, il y a des fantômes qui ne sont pas forcément malveillants. Donc là, au Japon, les fantômes, les spectres, les yurei, comme on dit, c'est plutôt des femmes qui reviennent se venger. Donc elles ne sont pas tout à fait bienveillantes quand même. Elles sont animées par... elles ont envie de se faire justice. Elles arrivent, elles prononcent une phrase, c'est urameshi, ça veut dire rancœur, vengeance. Donc, elles annoncent le programme. Elles sont pas super sympas. Elles annoncent le programme, ouais. Oui, il y a plein de yokai qui sont malveillants, mais il y en a d'autres qui sont très très rigolos aussi. Oui, les yokai, oui. Mais les fantômes plus particulièrement, c'est sympa, j'aime bien le sujet aussi.
J'ai pas eu trop des frissons délicieux. Oui, mais les films d'horreur japonais, c'est quelque chose quand même. Ouais, non, par contre, c'est trop flippant. Ah ouais, Cairo. Non, mais... Moi, j'avais été traumatisé par Cairo, que je crois que j'avais vu quand j'étais adolescent. Moi, j'ai un souvenir de The Grudge. The Grudge, oh. Ouais, c'est un bon film de fantôme, ça, si je peux recommander. Si... Faut pas que ça fasse trop peur. Alors, c'est plus marrant si ça fait pas peur, non? C'est pas le but, justement. Ouais. Bah, chacun a sa limite. C'est ça. Donc, tu veux juste frissonner, en fait. Ouais, c'est ça, le frisson. Sinon, donc, on retrouve dans The Ring, que j'ai vu à moitié. Donc là, on a la figure du fantôme traditionnel japonais qui a été reprise et modernisée et qui donc ne sort d'un puits et après elle se transmet par vidéo, je crois, vidéocassette, il me semble. Ouais, c'est une image moderne mais qui est ancrée dans la tradition aussi. Mais est-ce que tu rapprocherais ça, par exemple, des toutes ces histoires d'enregistrement sonore ou de fantômes qui apparaissent sur des photos ou sur des... c'est pas l'équivalent japonais de ça? Alors ça... Ça existe partout, il me semble, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, Pascal, Caroline. Ça existe pas mal. C'est pas propre à l'Asie, en fait, ce genre de... Non, effectivement. Donc, après, à titre personnel, est-ce que vous considérez que le fantastique se marie bien avec la technologie moderne? Ou est-ce que vous considérez qu'il y a un truc qui peut gêner? Les fantômes ou les monstres? N'importe. Allez-y. On a perdu Émilie. En fait, il y a les deux, mais si je devais prendre mon point de vue écrivain, comme j'ai une sensibilité à l'histoire et au plausible, c'est vrai qu'on peut jouer sur les deux tableaux. On peut effectivement avoir une figure du monstre qui s'est complètement fondu et adapté à l'époque. Et dans ce cas-là, ça va permettre à des choses assez surprenantes ou au contraire des créatures qui sont complètement en opposition par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai jamais abordé cette thématique-là, en tout cas en termes d'écriture de personnages surnaturels qui sont complètement inadaptés et comment ça pourrait se manifester. C'est pas seulement la question du personnage inadapté ou du vampire ou du fantôme qui s'en trouve, c'est aussi une question d'esthétique. J'ai entendu beaucoup d'auteurs ou dans des films ou quoi qui considèrent qu'il y a une dichotomie entre le fantôme ou les thèmes classiques du fantastique et une esthétique trop moderne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion, mais c'est intéressant. Vas-y Pascal, tu voulais dire un truc. J'ai écrit un texte sur... d'habitude, je ne mets jamais de portable dans mes histoires. Il y a une histoire où j'ai voulu faire du portable un élément fantastique. Donc, je pense que justement, c'est un qui permet tout. Bien donc, sûr. Pourquoi pas s'amuser avec les technologies d'aujourd'hui. Mais si c'est moderne, si c'est technologique, pour moi, ça va être plutôt... on va aller vers l'horreur, quoi. Oui. On va aller souvent les grandes tours, le monde du travail actuel. Puis après, on peut aller un peu vers des aspects sociologiques qu'induit la technologie. Oui. J'aime bien parfois ancrer mes textes au début du siècle ou à l'époque de la guerre froide, justement pour éviter ce genre de choses. Mais parfois, j'aime bien aussi me confronter vraiment aux problèmes contemporains. C'est intéressant. Mizuki Shigeru, justement, donc le grand maître des yokai, le mangaka, le fameux qui a fait ce dictionnaire. Donc, en 1974, dans ce dictionnaire, après il a peut-être changé de discours, hein, c'est possible. En 1974, il disait que pour lui, la modernité tuait les yokai, les fantômes, parce qu'il ne trouvait pas d'endroit où exister dans les cités de béton, de verre, de métal.
et que donc de plus en plus ils se réfugient dans les montagnes isolées, dans les hameaux isolés, etc., et que leur espace vital se rétrécissait au fur et à mesure que la civilisation se modernisait. En fait. Donc ça, c'était son opinion à l'époque. Mais c'est, ça rejoint, oui, l'explication assez classique sur la disparition des fées, le désenchantement du monde. C'est ça. Et la fin du merveilleux. Ça rejoint qu'on tout retrouve, à fait, oui. Mais en ce qui concerne les yokai et les fantômes japonais, ils ont su se renouveler, en fait, justement, avec l'exemple de Ring, on voit bien, avec la J-Horror. Puisqu'ils ont commencé à se transposer dans des univers urbains un peu glauques, etc. Ils ont... Vous m'entendez ? Oui, oui, on t'entend. Ils ont... D'accord. Ils ont réussi à s'adapter, on va dire, à ce monde moderne un peu glauque, un peu triste, un peu technologique. Ils ont réussi leur transition. Il y a beaucoup de cette idée-là dans les animés de Ghibli, enfin dans les films d'animation. Ouais. Là, je citais Pompoko, par exemple, c'est tout à fait ça. Oui. Oui. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne dirai rien, mais voilà, c'est tout à fait dans la thématique. Et, ouais. Oui, carrément, complètement. À propos du Japon et de la technologie, une idée qu'on entend souvent aussi, qu'on lit souvent, c'est que les Japonais ont un rapport aux objets qui n'est pas tout à fait le même que chez nous, qui vont plus facilement attribuer une âme aux objets, ou par exemple les gadgets technologiques ou les nouveaux objets qu'on a comme ça, vont être plus facilement intégrés dans un référentiel du fait de cette une sorte de panthéisme ou d'animisme comme ça qui va. Ouais. Mais peut-être vous connaissez mieux que le Japon que moi sur ce. Alors, je sais pas trop, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais une fois j'avais vu un reportage vraiment délirant sur c'était quoi ? C'était la période de deuil au Japon, elle dure 49 jours, ça c'est un truc qui vient du bouddhisme. Et ils avaient inventé, c'est une société qui avait fabriqué un robot sur lequel ils plaquaient le visage, une photographie du défunt. Ah oui, j'avais vu ça. C'est glauque. Oui, c'est complètement délirant. Et donc, il était censé accompagner la famille pendant cette période de deuil pour l'aider à faire le deuil, justement, du défunt. Voilà, j'ai trouvé ça assez, assez dingue, en fait. Ça pourrait être un bon point de départ pour une nouvelle fantastique. Ouais, ou pour un épisode de Black Mirror. Oui, ça peut partir vers la SF ou le fantastique. Oh, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ensuite, un autre point qui me paraît assez intéressant, c'est la question, quand on dit fantastique entre Occident et Asie, c'est la question de l'exotisme par rapport à celle de la définition du fantastique et le rapport au fantastique. C'est-à-dire, si l'environnement, si c'est accepté qu'il y ait des phénomènes surnaturels, ce ne sera pas forcément un monde fantastique. Après, peut-être Pascal ne sera pas d'accord, s'il a une vision plus large, il nous a dit, mais il nous donnera son avis après. Peut-être quand on va écrire des nouvelles dans un environnement asiatique, je parle pour des auteurs occidentaux, on va avoir cette tentation un peu de l'exotisme aussi, du dépaysement par rapport à une forme d'orientalisme. Ou d'extrême orientalisme, on peut dire. Et donc, ça va un petit peu introduire aussi une nouvelle variation autour du fantastique, où ça va être du fantastique en Asie, mais fait par des Européens. Je peux plaider coupable, c'est ce que j'ai fait moi-même dans l'anthologie des éditions Voyelles, consacrées aux créatures fantastiques, de la corne du Kirin aux ailes du Fanghuang. Donc dedans, j'ai commis une petite nouvelle consacrée au Kirin ou au Chilin en chinois, cette espèce de licorne chinoise qui ressemble plutôt à un cerf en fait. Mais j'ai joué sciemment de ce rapport à l'exotisme, à l'orientalisme, puisque c'est une nouvelle qui se passe dans un Shanghai steampunk à la fin du 19e siècle, avec une sorte de sage chinois qui va construire lui-même un Chilin mécanique, avec l'apport de la technologie occidentale en se basant sur
Il y avait beaucoup de savants chinois à la fin du 19e siècle, même avant, qui s'inspiraient des mathématiciens, parce qu'ils voyaient là, avec un peu d'effroi et d'incompréhension, les sciences occidentales qui commençaient à prendre une ampleur dangereuse, même pour l'empire du milieu. Et donc, on appelait ça les Tong Enghui, notamment. Et donc, mon sage chinois, comme ça, qui est un taoïste, qui lui va construire ce Qin, comme ça, avec des éléments mécaniques, avec la technologie, mais en y insufflant un rituel taoïste, qui, un peu à son étonnement, mais aussi à sa grande satisfaction, va donner vie à ce Qin, qui est un symbole de vie, de paix, d'harmonie. Je ne vais pas trop m'étendre sur mon texte, mais ça m'a paru intéressant comme ça de jouer sur l'articulation entre notre perception du fantastique et le fantastique chinois, par rapport aussi à ces questions de modernité, de science, et de la façon dont le regard étranger va aussi pouvoir parfois amener du fantastique ou considérer un environnement qui lui est inconnu et pas un environnement qui lui est familier, dans lequel va survenir aussi le fantastique. Là, il y a beaucoup de facettes différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, vas-y, Pascal. Alors, dans la plupart des grands écrivains, en tout cas des classiques du fantastique, même contemporains, comme Stephen King, on va dire qu'ils sont vraiment ancrés dans un territoire, ils sont chez eux. Ouais, ouais. Et parce que justement, le genre est à mon avis, en tout cas, proche du réalisme, voire parfois ultra réaliste, pour justement créer cet effet. Que ce soit Lovecraft, Edgar Allan Poe dans Nouvelle-Angleterre, Gogol justement dans sa ville à Saint-Pétersbourg, avec ses nouvelles fantastiques, justement, mais un peu satirique aussi par rapport à l'administration où il travaillait. Kafka, pareil. Par rapport au monde du travail, donc en tout cas là, beaucoup d'écrivains du fantastique, il me semble, vont démarrer dans un cadre qui leur est familier. Après, au niveau de l'exotisme, j'ai pas beaucoup d'exemples, à ce moment-là c'est vrai ce que tu dis, ce serait vraiment plus une nouveauté d'avoir vraiment des écrivains de ce genre qui vont chercher l'exotisme en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ça va plutôt être d'aller au Japon et de chercher de voir un écrivain de fantastique étrange et de découvrir sa culture à travers son texte. Je suis d'accord et je précise que la nouvelle dont je parlais, je ne la considérerais pas comme fantastique, mais plutôt uchronie steampunk ou quelque chose de la fantasy, même de l'urban fantasy, quoi. Et dans le recueil, d'ailleurs, il y a beaucoup de nouvelles. Il y a toujours du surnaturel, il y a de la science-fiction aussi, mais il y en a peu que je qualifierais vraiment de fantastique. Avec ta définition. Oui, oui. Et avec cette question du fait. Après, je trouve que c'est un petit peu normal, en fait, que les imaginaires voyagent et se croisent. Bien sûr. Je trouve ça tout à fait normal que des générations qui ont baigné dans le manga, même occidental, mais qui ont été nourries de manga, s'approprient ces images qui les ont fait rêver, en fait, quand ils étaient enfants ou jeunes, et qu'ensuite ils écrivent des histoires peuplées d'êtres fantastiques qui viennent d'Asie, certes. Ce sont des auteurs ou des créateurs de culture occidentale, mais qui, enfin, il y a une sorte de métissage en fait au niveau de l'imaginaire qui se produit, et ça se produit aussi dans l'autre sens aussi. Oui, parce que quand sûr. On regarde par exemple Hayao Miyazaki dans Le Voyage de Chihiro, on a tout un bestiaire fantastique absolument foisonnant et génial, mais dedans, on a une sorcière bien occidentale avec son nez crochu, sa verrue, sa robe à froufrou. Et ben, je pense que lui, il a dû triper sur les sorcières occidentales, et ben, il les a intégrées dans son œuvre. Donc, à partir du moment où c'est fait avec talent, on va dire, et que ça exprime un petit peu son imaginaire à lui, finalement, il y injecte sa sensibilité et tout, ben, pour moi, c'est chouette. Ça donne quelque chose de nouveau, en fait, et d'intéressant. Y a pas... ça, oui, c'est du métissage en fait. Oui, c'est joli effectivement ce terme de métissage. Oui, le métissage des imaginaires. Mais c'est fait pour, hein, même en art, là je peux pas m'en empêcher, mais c'est ce qui s'est produit avec certains artistes qui sont partis pour voyager. On parle de japonisme, on parle d'orientalisme, et effectivement, hein, c'est
la confrontation de l'imaginaire, du fantastique, de la culture qui vient se mêler, se mélanger. Et c'est ça qui fait une originalité et une certaine beauté. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant, finalement, et pas de s'approprier, mais vraiment de s'en nourrir, finalement. Alors, on a une intervention de Catherine Chéchir, j'espère que je prononce bien, qui nous dit « Vous citiez Roger Bezetto, c'est justement ce qu'il disait en parlant d'effets de fantastique. Ces effets permettent d'inclure dans le genre fantastique tout le spectre allant du merveilleux, surnaturel totalement accepté, à l'étrange, explication rationnelle donnée à un phénomène insolite perçu comme surnaturel. » Elle a une question pour Pascal. Tu dis que tu as déjà joué sur l'ambiguïté. On croit que c'est un cauchemar, mais en fait c'est réel. Auquel de tes textes fais-tu référence? Un texte qui n'est pas encore sorti. Ah, un spoiler. C'est pas des textes qui sont inédits, quoi. Je vous dirai pas lequel, mais c'est un nouveau recueil qui va sortir d'ici la fin du mois. Ah. Je vous dirai pas lequel. Ah, c'est imminent, c'est bien. Attends. Chez Malpertuis, donc fidèle éditeur. Okay. Dans l'anthologie. Il y a beaucoup de nouvelles chez Malpertuis. Un recueil en propre. Un nouveau recueil. Ah, trop chouette. Félicitations. Oui, félicitations. Et un coucou à Malpertuis aussi. Oui. Je les connais aussi. Oui, moi aussi, ma première nouvelle publiée, c'était chez Malpertuis. J'en suis très content. Oui, moi aussi. Oui, ils ont incubé beaucoup d'auteurs. On peut les féliciter pour ça. Mais sinon, l'ambiguïté, bah, je la cherche partout, en fait, dans tous mes textes. À chaque fois, parfois, il y a une chute où tu sens que voilà, tu as la réponse, mais il y a beaucoup de chutes où je souhaite laisser ouvert. Bah, c'est un bon moteur en littérature en général, je dirais, mais particulièrement peut-être dans le fantastique, parce que c'est vrai que c'est l'hésitation, l'inquiétude, le fait de ne pas trop savoir sur quel pied danser, c'est toujours un ressort très puissant, quoi. Parfois frustrant. Donc, j'ai déjà eu des lecteurs mécontents. Mais c'est bien, à cause de ça. Ouais. Ça peut être bien de frustrer les lecteurs parfois aussi. Ouais, mais ils aiment pas ça. Non. Qui sont. Faut pas trop le faire. Des habitudes. On va dire que ce sont des habitudes de lecteurs de s'attendre parfois à une chute. Mais moi, ça me fait peur si c'est trop huilé, en fait. Après, on perd en spontanéité, en naturel. Si le lecteur s'attend trop à une chute. Si le lecteur s'attend trop à une chute et qu'il n'y en a pas, c'est ça la chute, non? Les petits paradoxes débiles du samedi soir. Ah non, c'est ça, je trouve. Hein. Et d'ailleurs, si on a d'autres questions, hein, allez-y, n'hésitez pas. Hein, je dis ça parce que j'ai regardé un peu tard les questions mais n'hésitez pas. Mais sont où les questions? Vous n'y avez pas accès. C'est ça le privilège du modérateur. Et techniquement, c'est un peu compliqué. D'accord. En fait, on m'envoie les questions parce que c'est quelqu'un d'autre qui les reçoit. Ah, c'est pour ça. Vive la technologie. Ouais. D'ailleurs, vous saviez que... Tu voulais dire un truc? Non, vas-y. Un des auteurs qui a fait découvrir le fantastique et les histoires de fantômes en Occident, eh ben, c'est pas un auteur japonais, c'est un auteur occidental. Radio Earn. J'ai le bouquin là. Hop. Ah, c'est à l'envers. C'est un Irlandais en fait, qui. Lafcadio Earn, il s'appelle. Donc, fin du siècle, de 19e siècle, début 20e siècle. Il est anglo-grec et c'est un homme qui était un peu perdu dans ses identités culturelles, etc. Il a échoué au Japon, c'est une trajectoire assez particulière. Il s'est converti au bouddhisme, il s'est marié avec une japonaise et il s'est pris de passion pour les histoires surnaturelles et fantastiques là-bas. Et donc il est allé un petit peu, il est en quête en fait de ces histoires. Il a lu des compilations, etc. Et il les a traduites en anglais. À la fin du 19e siècle, je pense. Il les a traduites en les occidentalisant un petit peu, en fait, avec une narration un peu plus facile pour les lecteurs occidentaux. Et du coup, c'est ça qui a fait découvrir, en fait, les histoires de fantômes et surnaturelles japonaises en Occident. Je ne connaissais pas du tout. C'est rigolo. Bah, moi non plus. On parlait
Ah bah donc si vous voulez goûter un petit peu la saveur des histoires de fantômes fantastiques japonaises un peu dans l'authentique, en fait, vous pouvez aller lire les traductions de Lafcadio Hearn. Par exemple, ce bouquin, ça s'appelle Fantômes du Japon. Fantômes du Japon, c'est à l'envers. Attendez, je vais vous l'envoyer par... je vais vous l'écrire là. Alors nous, ça se... On le voyait dans le bon sens. Ouais. Ouais, c'est intéressant, je vais le noter. Ouais, pas du tout ce Lafcadio. Ah bah c'est génial, parce que là on retrouve toutes les ambiances un petit peu d'époque, de l'époque d'Edo, etc. C'est des ambiances que j'adore. Ah c'est chouette. Un peu sombre. Ouais, et puis ça doit être intéressant aussi, parce que je présume peut-être, mais c'était une époque où notamment les Irlandais étaient encore très superstitieux, donc peut-être il était un peu... Il se demandait, je sais pas, je présume, mais... peut-être il y croyait, ces histoires de fantômes japonais aussi, ou est-ce qu'il... Est-ce que s'il était purement dans l'aspect littéraire? Alors, je pense qu'il devait y croire un petit peu, oui. Il est... Certainement, je n'ai pas lu toute son œuvre, mais je sais qu'il a laissé un journal, il faudrait que je le lise. Je pense qu'il était... Il devait être un petit peu superstitieux, on va dire. Alors, on a une question d'Hélène Marchetto, qui nous précise que Lafcadio est traduit en français, et qui nous demande, et quitte à parler des fantômes, que dire des dragons si différents dans les deux imaginaires? Vaste sujet. Ah oui, là, il faudrait sortir un peu du fantastique, parce que le dragon, c'est plus une créature fantasy, on va dire, ou merveilleux. Il faut faire une nouvelle table ronde. Mais là, je pense qu'on a un peu le temps d'en parler. Il nous reste un quart d'heure. En tout cas, il y a le dragon occidental. Le dragon, qui est on le retrouve. On le retrouve en Afrique. On le retrouve un peu partout. Hein, ouais. Mais c'est vrai que le dragon européen est maléfique, tandis que le dragon chinois, non. Oui, le dragon japonais, il y en a qui sont maléfiques. Oui. Mais je ne sais pas s'il y en a qui sont bénéfiques. Il est très influencé par le dragon chinois quand même, le dragon japonais, je crois. Donc il doit y en avoir des bons, mais je me souviens d'un dragon qui a plein de têtes et il faut les couper tout en même temps pour résoudre je sais plus quoi. Ça fait penser un peu à l'hydre de Lerne, mais c'est avec un héros qui va faire boire du saké à toutes les têtes du dragon en même temps. Comme ça, il va arriver avec son katana. Ah oui. Et vous... Tchac. Mais ça résout pas la question parce qu'il est censé les couper tout en même temps, mais c'est pas possible. Alors ça doit être une licence poétique, le tout en même temps, dans un laps de temps très court. Il faut pas avoir un super katana. Il y a le livre des êtres imaginaires de Borges, qui est quelque part là derrière moi. Juste. Il me semble qu'il avait répertorié dans son livre 6 ou 7 différents dragons de différents pays. Mais bon, je vais pas fouiller maintenant. Mais... Ah, parce que moi, j'ai celui-là qui est très très bien et très très riche pour toutes les créatures féeriques de manière générale et surnaturelle. Et pour le dragon, il est bien fourni aussi. Mais c'est intéressant, la figure du dragon, même dans le jeu de rôle ou dans des univers fantasy, mais là c'est plutôt fantasy. Mais je pense qu'on peut déborder, on va pas se faire taper sur les doigts si on parle de fantasy. Et je repense à la préface de Borges dans ce livre, et ce qui m'avait vraiment marqué, c'est quand il a dit que finalement à quel point notre imagination est limitée. Qu'en fait, il y a beaucoup plus d'animaux dans le règne animal naturel que d'animaux inventés. Qu'il est possible donc de les répertorier, de tous les mettre dans un livre. Et finalement, il n'y a pas tant que ça. Ça montre. Et souvent, ce sont des assemblages. Ouais. On met une tête de cheval, on met un sagittaire, un faune. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et peu importe les cultures dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est assez difficile de concevoir une créature totalement nouvelle, quoi. Ça a été fait, certainement, mais c'est pas facile, quoi. Mais moi, on va tomber dans une question philosophique, mais à la création ex nihilo, j'y crois moyen, personnellement. Hein. Je trouve qu'on se nourrit et on a un regard... Je sais pas si on peut vraiment créer à partir de rien, vraiment.
Là, je suis assez d'accord avec Ouais, toi. il faut des poulpes. Ouais. Ouais, voilà. Il faut des poules. Il faut des tentacules. Surtout au Japon. Surtout au Japon. Là, on pourrait parler sur un autre sujet, mais Ah oui, non, mais là, je on pense va pas glisser. qu'on puisse. Ouais. Non. Mais ce serait quand même intéressant sur la question du fantastique. Enfin, il y a beaucoup d'études sur ça. Bah là, j'allais citer des exemples d'estampes japonaises, mais Ouais, il y a peut-être des mineurs qui je peux pas regardent montrer. lors des Oui, enfants. voilà, c'est ça. Donc non, et pourtant c'est dans mon gros bouquin d'art, mais non, on va éviter. Mais c'est quelque chose dans le fantasme japonais, entre autres, qui est très représenté Ouais. aussi. Il y a ces C'est vieilles vrai. estampes du 19e siècle avec des femmes qui vont Oui. pêcher, il leur arrive à peu près la même chose que Gilliatt dans Les Travers de la Mer, mais dans une version japonaise. Oui, voilà, c'est ça. On en dira un peu plus. Bon, on n'a pas d'autres questions apparemment. Il vous reste 10 minutes si vous avez des questions, il faut en profiter. Moi, j'ai une question pour mes collègues Parfait. qui connaissent mieux l'Asie que moi. Alors, en fantastique classique occidental, il y a le thème de la maison hantée. Et je me demandais, voilà, si du côté asiatique, c'était à peu près pareil, aussi des maisons Oui, hantées, où on parle plutôt tu l'as abordé tout à l'heure, je d'objets. crois. Oui. Est-ce que peut-être Oui, c'est une question à ça creuser? existe aussi. Et c'est drôle de voir quand même une similitude d'une culture, d'une civilisation à l'autre. Oui. Effectivement, la maison hantée est très présente, oui, dans l'imaginaire fantastique japonais. Les vieilles maisons avec des toiles d'araignée, bah, comme en Occident. Il n'y a pas de château, par contre, en pierre, comme il y a en Écosse, en France ou en Angleterre. Ben, ils en ont pas, je crois, un château en pierre, de toute manière. Bah voilà, ça fait pas partie de leur architecture traditionnelle. Donc, on va De trouver leur des fantômes décor. plutôt sur des supports plus fragiles, du papier, du tissu, des choses comme ça. Un peu plus peut-être que dans la culture occidentale, mais sinon, on a bien la maison hantée, oui. Mais c'est un thème à peu près universel, la maison hantée, enfin. Partout où il y a des maisons, du moins. Moi, je me souviens quand j'étais, quand il y a longtemps, quand je faisais des études d'histoire, j'avais trouvé une maison hantée à Alger dans les années 1720, dans les archives, je sais plus, ça devait être à Marseille, des matelots qui revenaient, qui parlaient. C'était pas du tout le sujet de la lettre. Passage sur deux lignes, ils disent oui, parce qu'il habite à côté de la maison hantée. Genre, tout le monde sait, c'est la maison hantée, là, faut pas y aller. Ok. Du coup, on y va forcément. Bah oui. Quel enfant n'a pas été visiter une maison C'est quelque chose qui est très Ah, présent en il y a les Amérique. fantômes d'hôpitaux. Voilà, je me souviens d'un Ah. truc, voilà, ça c'est un truc vraiment pour moi japonais. Ouais, Enfin, enfin, Ouais. dans les les films hôpitaux d'horreur, hantés. ouais. Dans les films Ah d'horreur, il y ouais, en a même dans les beaucoup, ouais. jeux. Dans les jeux vidéo japonais aussi, du style horrifique, les hôpitaux, ouais, les forêts, enfin Ben c'est le. vrai que quand tu Ça, je penses à crois qu'on n'a pas autant. des environnements propices au fantastique, les hôpitaux, les asiles abandonnés. Oui, c'est vrai. Les écoles abandonnées au milieu de la forêt, enfin ce genre, oui. Où la protagoniste est armée que d'un. Bah justement, d'un téléphone où elle prend en photo les fantômes qu'elle voit, mais juste à travers son téléphone. Et je suis incapable de retrouver le nom du jeu vidéo et je vais le retrouver à la fin Pokémon du live. Non. Go. Pour Non, rester dans le un Japon. vrai jeu d'horreur. Pokémon, je crois pas que ce soit vraiment un jeu d'horreur. Même s'il y a le thème des maisons hantées un peu souvent dans les Pokémon, si je permets la digression. C'est horrifique en soi. Ouais. Oh, je peux pas dire ça parce que j'ai été bercée. C'était l'un de mes premiers jeux quand j'étais enfant, donc. Mais bon, Bon, je signale aux gens c'est inspiré. qui nous écoutent que j'ai plus accès aux questions. Hein. Donc, s'il y a des gens qui posent, moi, c'est pas ma faute. Hein. Voilà, je leur ai dit, ils peuvent débouler dans la pièce à tout moment avec des questions manuscrites s'ils veulent. Je précise. On va continuer à parler entre nous. J'ai une question pour Pascal, alors, du coup. Je crois que tu connais assez bien la littérature et la culture polonaise, Pascal.
Et je me demandais s'il y avait des, justement, des fantômes ou des monstres spécifiques au folklore polonais, en fait, du coup. Ben en fait, il y a le folklore slave. Donc, en fait, il y a plein de créatures. Je les connais pas Ouais, tous. c'est très riche. Je me souviens qu'il y a, je me souviens que j'avais écrit un conte sur un être de la forêt, voilà, qui est un peu malicieux, un peu, qui ressemble à une espèce de vieux grand-père, mais en fait, enfin, il est capable d'utiliser la forêt à son avantage, mais des créatures slaves. Enfin, il y a même eu des opéras aussi avec un La opéra tchèque Rusalka. dont j'ai oublié le nom. Oui, mais il y en a encore Ah d'autres. Mais oui. Rusalka, celui-là, il est connu. Mais voilà. Avec, je crois, des nymphes ou des êtres aussi de la forêt. Oui, il y Enfin, a c'est très lié à la les nature. femmes oiseaux, non? Ça revient souvent, non? Je Les vais pas dire, femmes qui ont une je suis pas sorte spécialiste. de manteau en plume d'oiseau qui leur permet de voler ou ce genre de truc. Ah oui, tiens, je connaissais pas. Je connaissais dans le genre la Selkie qui revêt un manteau de phoque pour se transformer en phoque, mais je connaissais pas cette créature-là. Ça, je crois que c'est dans le folklore slave ou balte aussi, il y a beaucoup de choses. Russe aussi, pas Ouais. mal. Il y en a partout. Bien sûr. La Baba Yaga, Kocheï, Le domovoï, le Domovoï, celui de la Mouk. maison, qui vit dans le four ou dans la cheminée, je sais plus. Oui, je crois, c'est ça à peu près. À Après, propos il y a le diable aussi partout. des créatures, Ah oui, le diable. à propos des créatures baltes ou slaves, il y a The Witcher qui a beaucoup popularisé ça Oui. aussi récemment, quoi. Enfin, depuis un moment déjà. Moi, je connais pas très bien, j'ai pas vraiment accroché soit au Ah, jeu moi ou à la j'ai. série, mais c'est faut reconnaître que c'est bien. Alors, moi, c'est pas la série. C'est surtout le jeu vidéo, encore une fois. Et les bouquins, même Ouais. si J'ai pas lu, mais j'aime c'est. bien le travail de réécriture qu'a fait le jeu, parce que c'est particulier. C'est des gros, gros pavés avec beaucoup, beaucoup de dialogues. Faut aimer ça. Mais c'est sympa. Un retravail de conte que même nous on Ouais. connaît, c'est assez sympa, mais dans le jeu, c'est une autre ambiance, dirons-nous, même si tout aussi sympathique, avec des créatures issues de bestiaires bien connues, ou pas d'ailleurs. C'est une grande fierté nationale en Pologne, notamment. Il y a même Barack Obama, au moment de sa visite officielle, il a mentionné The Witcher. Donc Ah oui, bah. c'est le Oh, ça ah pose, ouais, bah hein. C'est très populaire. le meilleur produit à exporter. Donc ouais, c'est Et compliqué, hein. Un produit sinon, culturel. il y a beaucoup d'auteurs de fantastique qui sont pas du tout connus. Il y en a un que j'adore, que je vénère presque, c'est Stefan Grabinski. Lui, il date du début XXe siècle. Le Il a golem, beaucoup non? écrit. Non, non, ça c'est Méric, Méric, ouais, pardon. plutôt tchèque. Grabinski, il a beaucoup écrit sur le feu, sur l'incendie. Il a beaucoup écrit sur les trains, parce qu'à son époque, c'était là le développement ferroviaire qui battait son plein. Et donc, normalement, il y a le Visage Vert qui devrait bientôt, on espère vraiment bientôt, publier un recueil en entier, qui a déjà publié quelques nouvelles. Moi, j'avais un peu travaillé dessus en termes de traduction. Mais voilà, on espère que ça va sortir, parce que ça, c'est vraiment pour moi une référence. Il a du niveau de Poe, de Jean Rey, il est impressionnant. J'ai noté. Qu'est-ce qu'il dit sur les trains? Grabinski. Grabinski. Noté. Stefan Stefanski. Grabinski. Merci. Qu'est-ce qu'il dit à propos des trains? Pourquoi ça revient chez lui? Alors, ça permet de voyager dans différentes dimensions. Il y a aussi derrière les vitres des visages qui apparaissent. Ah, c'est sympa ça. Moi, pour les trains, c'est aussi très important pour moi dans mes propres histoires. Et lui, il a carrément publié un recueil entier qui s'appelle Demon Roku, ce qui veut dire le démon en mouvement. Et donc, sous-entendu, le train. Ah, c'est chouette. Ouais, ça doit être Pas la intéressant. SNCF. D'accord. Ouais, je pourrais pas déborder du temps parce qu'après on attend sur autre chose.
Et ben... Un petit mot peut-être à propos du fantastique russe, pour terminer, pour faire la jonction entre Occident et Orient. Je m'adresse à quelque chose que je Pascal, qui connais connaît moins. peut-être ça mieux que nous. Le fantastique russe, oui, même Pouchkine a écrit du fantastique, j'ai pas lu, mais je sais qu'il en a écrit. Après, il y a Gogol, qui est un peu maître à penser pour toute une génération d'auteurs. Et même dans les classiques, même je pense chez Tchekhov, chez Dostoïevski, dans les frères Karamazov, il y a des scènes entières hallucinées. Justement, c'est très psychologique, où il y a des discussions entre un des frères Et le diable, et non, le ouais. diable. Donc, pour moi, il est possédé aussi. On suit un groupe d'anarchistes. Parfois, on frise vraiment le genre fantastique. Ouais. C'est imprégné, c'est dans la culture, quoi. C'est présent, même dans les œuvres les plus réalistes, il y a cette dimension. Et puis enfin, il y a Bulgakov, qui est un écrivain plus récent, mais qui lui utilisait plutôt le fantastique pour en termes satiriques, Ouais. pour notamment contourner La les règles censure, de la Staline, censure. ouais. Donc on peut visiter sa maison, notamment à Kiev. C'est un petit musée très intéressant. Super. J'ai appris plein de choses. Ouais, Merci moi aussi. beaucoup. Merci. Merci beaucoup Moi d'avoir aussi, c'est participé. vrai. Ah, alors pour le jeu Beyond Good and Evil, je connais ce jeu, mais Ah, c'est pas trop fantastique. oui. Il y a un film comme ça, nous dit Catherine, un film comme ça, Les 99 portes de l'enfer, où le monde surnaturel est visible uniquement par le biais du téléphone. Ah, c'est stylé, oui. Et donc, bah, c'est sur cette remarque que je propose de conclure, puisqu'on arrive à la fin du temps. Et en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir, de vous être prêtés à cet exercice. Merci beaucoup, C'était merci de très nous avoir aidés. intéressant. Merci, ça fait très plaisir, vu qu'il n'y a pas de salon, de pouvoir discuter comme ça. Ouais, carrément. Et j'espère qu'après, on pourra remettre ça au prochain Nice Fiction, un peu En vrai. plus physiquement. Sans passer par tous ces avatars technologiques. Et sur ce, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne Ciao, bonne soirée. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.